Bonjour à tous et bienvenue. Plus de 60 ans après sa création, la communauté œcuménique de Thésée fait toujours recette auprès des jeunes du monde entier. Dans ce petit coin de Bourgogne, toutes les nationalités continuent de déferler tout au long de l'année. Mais que viennent donc chercher ces jeunes à Thésée? Alors justement, dans ce KTO Magazine, nous nous interrogerons sur les raisons d'un succès. Puisse votre confiance en Dieu susciter en vous l'espérance et vous aider à changer le monde. C'est par ces mots que Benoît XVI encourage les 40 000 jeunes réunis en ce moment à Genève à l'occasion de la rencontre européenne de Thésée. Alors quatre invités sont avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Tout d'abord frère Émile, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la communauté de Thésée. À vos côtés, Laure Liénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante, vous avez découvert la communauté il y a une dizaine d'années maintenant. L'expérience vous a tellement plu que vous êtes même devenue une permanente pendant un an. C'est ce que vous nous expliquerez tout à l'heure. Face à vous, pasteur Gilles Daudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service des relations œcuméniques de la Fédération protestante de France. Et puis Aline Audiquez, à vos côtés, bonjour. Bonjour. Vous rendez à Thésée, vous, depuis 3 ans. Vous avez 18 ans. Vous nous expliquerez ce que vous apporte cette communauté de Thésée. Alors, frère Émile, est-ce qu'il y a une recette Thésée? Et si oui, laquelle? Oh, je ne crois pas. Il n'y a pas de recette. Et même, nous disons volontiers que nous ne sommes pas du tout des spécialistes jeunes. Ce qui intéressait frère Roger en créant la communauté, c'était que des frères vivent une vie commune, une sorte de parabole. Que les jeunes soient là ou non. Et puis même, il a été un peu surpris lorsque les jeunes sont venus. Il disait, mais nous ne sommes pas faits pour accueillir des jeunes. Et je crois qu'il faut être soi-même dans cet accueil. Il ne faut pas essayer d'être autre chose que des frères, que des hommes de prière, d'accueil, d'écoute. Et peut-être c'est un peu cela qui touche les jeunes aussi. Laure, comment ils sont ces frères, justement? Vous qui avez l'habitude. Très accueillants. Toujours à l'écoute, vraiment, des jeunes. Et, enfin, c'est la qualité de l'accueil, c'est une recherche un peu qu'on sent quand on arrive à la communauté, et puis une grande paix dans tous ces visages qu'on croise sur la colline. Voilà, c'est ça qui frappe beaucoup les jeunes quand on arrive à une prière et on sent cette paix qui est là et ces frères qui nous accompagnent. Aline, vous êtes d'accord? Tout à fait, ouais. Une grande paix et une grande simplicité aussi. Une grande chaleur. Aline, il y a une recette, Thésée, qu'est-ce qui fait que vous aimez tant y retourner? Vous êtes une inconditionnelle aussi. Le contraste peut-être avec la vie actuelle, enfin, tout ce qui nous a donné de vivre à Thésée d'une certaine façon, de se poser, prendre le temps. On court dans la vie de tous les jours et là on se retrouve dans un endroit où on a le temps de se rencontrer. Et ce qui est formidable à Thésée, ce qui est toujours très marquant, c'est les sourires sur les visages des jeunes. Toujours, en général, dans Paris, dans la vie actuelle, quand on croise des gens dans la rue, on est toujours un peu méfiant. À Thésée, c'est tout de suite un sourire, un contact, un sourire. C'est beaucoup plus simple, la vie. Pasteur, première impression de Thésée? Je crois que ce qui touche beaucoup, c'est la simplicité et l'authenticité, en fait. C'est deux éléments qui sont vécus par la communauté et qui rayonnent, en fait, il me semble, par l'accueil, tout aussi simple, et en même temps, cette authenticité dans la prière, dans l'échange. Et je crois que c'est ça qui fait... alors, j'ose pas dire la recette, parce que c'est vraiment pas une recette de cuisine, hein, mais qui fait le rayonnement de Thésée, je crois. En tous les cas, Thésée, depuis les années 50, est un rendez-vous incontournable pour la jeunesse chrétienne. Chaque année, ils sont en effet des milliers de jeunes venus de toute l'Europe à affluer à Thésée. Le reportage de Jean-Guillaume Charrier et Vincent Royer. Au sud de la Bourgogne, perché au sommet d'une colline, voici le petit village de Thésée. Chaque année, des milliers de jeunes du monde entier viennent partager une semaine de prières, de rencontres et de réflexions dans la communauté des frères de Thésée. Un moyen de se ressourcer, un nouvel élan pour vivre sa foi au quotidien. Je viens à Thésée pour me recueillir et puis pour faire un peu le point au niveau de ma foi et puis pour savoir un peu où j'en suis. Donc, parce que bon, j'ai fait ma confirmation l'année dernière et j'aimerais faire le point pour mieux avancer encore. Je suis venu à Thésée tout d'abord parce que je me pose pas mal de questions sur ma religion. Donc je suis catholique. Et Thésée, tout le monde m'a dit que c'était vraiment que des jeunes et tout ça, donc c'est beaucoup de personnes qui se posent les mêmes questions que moi et ça me permet de mieux réfléchir aussi sur la religion. Un vélo avec deux roues. La roue avant, c'est la foi. La roue arrière, c'est l'espérance. La roue arrière, c'est celui qui met la puissance. Frère Maxime est à la communauté depuis 4 ans.
Il accueille les groupes français et chaque jour enseigne une introduction biblique aux jeunes venus chercher un sens à leur vie. À chaque fois que les jeunes viennent à Thésée, la plupart restent une semaine, donc du dimanche au dimanche. Et il y a toujours un moment donné dans la journée où on propose une introduction biblique. En fait, un partage des textes du jour avec donc une petite introduction faite par un frère qui ne doit pas être très longue, qui dure comme ça 10 minutes. Et puis après, le plus important, des groupes de discussion entre jeunes pour que les jeunes eux-mêmes puissent se débrouiller un petit peu avec le texte, même si ce n'est pas très facile, même s'il y a des mots qui sont un petit peu difficiles à comprendre maintenant, mais qu'ils puissent eux-mêmes ensemble essayer de construire et de bâtir des réponses. Mais si vous cherchez l'amour, vous trouverez Dieu. Parce qu'au cœur du cœur de Dieu, il y a l'amour. Et la seule chose que Dieu peut donner, c'est son amour. Et c'est ça qui va nous ouvrir à la fois à la confiance et à la fois à l'espérance. Alors, l'introduction biblique d'aujourd'hui, c'était de montrer que là où il y a l'amour, il y a Dieu. C'est le chant qu'on chante souvent à Thésée, « Ubi caritas et amor, Deus ibi est ». Les jeunes passés par Thésée ne vont pas s'impliquer dans leur église locale, mais tous sortent changés de leur séjour, comme Aurélie, qui a senti sa vision des choses évoluer. Je vais essayer de propager toute cette bonne joie de vivre et tout. Et, déjà en étant gentil et puis en étant beaucoup plus tolérant. À Thésée, on devient tolérant. Et puis, en aidant tout simplement, dans la simplicité. On a fait 4 jours sans télé et puis on n'y pensait même plus à la fin tellement... Il y a tellement de choses à faire et puis il y a tellement de cultures à découvrir. Du haut de sa colline, Thésée se pose comme un lieu de découverte de la prière pour des milliers de jeunes. Mais Thésée est aussi un tremplin vers des pèlerinages à travers le monde. Tous les ans, la communauté organise des rencontres de 5 jours dans divers pays d'Europe. Portugal, Italie ou encore Croatie l'an dernier. Chaque année en décembre, ils sont des milliers à venir prier et échanger ensemble. Frère Émile, Thésée, source de jeunesse, comment vous l'expliquez ? On ne se l'explique pas. Pour nous-mêmes, c'est un étonnement continuel de voir ces jeunes encore plus nombreux cette année. On ne sait pas pourquoi. Certains pays comme l'Allemagne ou les Français, encore plus nombreux. Et sans doute qu'il y a une confiance entre jeunes, une confiance qui se transmet. Confiance spontanée ? Peut-être qu'ils revoient leurs amis revenir. C'est si difficile aujourd'hui de trouver des sources de confiance, d'espérance. C'est tellement difficile. Et quand ils voient quelqu'un revenir un peu haut, parfois animé d'une joie intérieure, d'une plus grande confiance en Dieu, mais aussi dans la vie, en eux-mêmes, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a trouvé ? Qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Mais en quelques mots, frère, comment les jeunes sont venus à Thésée ? Eh bien, personne ne sait vraiment. Ils sont venus fin des années 50, 57, 58. Et le frère Roger... Je vous le disais au début, il y avait un peu une hésitation en disant « ça va nous déranger plus qu'autre chose, nous sommes des frères, nous sommes des hommes de prière, nous avons une essence monastique, il ne faut pas que cette vie-là soit troublée ». Et puis après 2 ans de réflexion, il a compris qu'il fallait accueillir, à Thésée même. Mais l'hésitation était bonne parce qu'elle a permis d'organiser la vie à Thésée de telle manière est-ce qu'il y a des espaces de silence pour les frères. Et puis il y a quand même cette grande foule, on peut être 3 à 6 000 chaque semaine l'été, des jeunes qui y passent une semaine entière. Et ils continuent à se transmettre le mot, à venir, ils ont envie, un désir. Éveiller le désir de Dieu, c'est quelque chose de beau. Quand ce désir naît, alors il y a un désir de revenir, d'approfondir. Alors justement, vous Laure, comment est-ce que vous avez découvert Thésée ? Par ma paroisse, il y avait des week-ends qui étaient organisés régulièrement. Alors c'était principalement des adultes qui y allaient, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes sur la paroisse, mais c'est vrai que nous, on nous a proposé, puis... On est parti dans le voyage et voilà. Et qu'est-ce qui vous a séduit là-bas ? Je crois que quand on arrive, c'est un peu un choc, presque un choc culturel, qu'on arrive à Thésée et comme disait Aline, qu'on voit tous ces gens qui sourient comme ça et cette facilité d'échange avec tout le monde, que ce soit de la nourriture ou des grandes conversations spirituelles. Enfin, il y a quelque chose qui passe tout simplement et puis beaucoup les chants, la prière, la musique. Voilà. Et c'est un lieu où on sent qu'il y a de l'espérance et que c'est possible et on a besoin de ça, je crois, surtout quand on est jeune et qu'on cherche un peu à... Aline, comment vous avez vécu ce choc culturel dont parle Laure ?
Mais c'était la découverte de nouveaux horizons un peu, parce que finalement à Thésée on se retrouve avec des jeunes venus d'un peu partout, de toute l'Europe déjà notamment. Quand on se retrouve à essayer de discuter sur la foi avec des jeunes polonais, avec le peu de vocabulaire anglais. Comment on fait alors? Comment on fait? Eh ben, il y a les gestes, il y a les mots, et puis il y a surtout le cœur vraiment qui y est. Il y a une communion qui se vit vraiment, qui est extraordinaire. Un esprit d'entraide dans les groupes de discussion. Et c'est vrai que c'est complètement incroyable de se retrouver à discuter avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, de choses dont on ne parlerait même pas, avec des amis très proches, mmh. vraiment de choses très profondes. Pasteur, cette communion dont parle Aline, alors c'est important que des jeunes de tous horizons, de toutes confessions chrétiennes, venus des quatre coins de l'Europe, se rencontrent? Oui, moi j'ai l'impression que la vie est compliquée, les nouvelles qu'on reçoit du monde sont inquiétantes, elles sont déstabilisantes, elles sont même divisantes, j'allais dire, le mot est pas très français, mais enfin voilà, elles fracturent le monde. Et puis quand on arrive à Thésée, c'est un peu comme si on allait sur une montagne, sur la montagne, hein. On retrouve l'essentiel, on retourne à l'essentiel, qui est de l'ordre du coup, effectivement, de la communion, de la confiance, de l'espérance. Et ces mots-là deviennent tangibles, enfin c'est pas vide, ça prend du sens, c'est possible, voilà. Et en plus, c'est rattaché au Christ, donc au fond, on découvre quelque chose de vivant, on devient vivant en quelque sorte quand on arrive là un petit peu, sur la colline de Thésée. Et ça devient concret, ces mots qui apparaissent soit très intello, soit un peu évanescents dans la bouche de notre société, là ça devient tangible. Voilà. Est-ce que les jeunes qui viennent à Thésée ont tous la foi? Non, beaucoup sont au début, ils se posent, et il y a des jeunes, bien sûr, un très grand nombre de jeunes qui ont déjà la foi, qui sont déjà enracinés dans une réalité comme une aumônerie, mais beaucoup viennent parce qu'ils font confiance à d'autres qui sont venus. Et alors, c'était la question qui m'a le plus surpris cette année, à la Toussaint, il y avait 6000 jeunes français, et la question qui revenait le soir, quand on reste dans l'église, le frère, pour écouter les jeunes, c'est « comment savoir si je suis croyant ?» Et comment faire? Il y a le doute en moi aussi, mais il y a aussi un désir de croire. Et frère Roger aimait beaucoup rappeler cette parole de saint Augustin, le désir de Dieu, c'est déjà la foi. Et il y a en beaucoup de jeunes le désir de Dieu. Mais bien sûr, il y a aussi toutes sortes de questions et de doutes, et ça ne les empêche pas d'être croyants, c'est ce qu'on voudrait leur dire. Vous aviez des doutes, Laure, quand vous êtes arrivée à Thésée pour la première fois? Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai toujours été investie dans plusieurs mouvements. Donc, des doutes sur ma relation à Dieu, pas tant que ça, mais sur la manière dont je voulais vivre ma vie. Par rapport à ma foi, là, c'est vrai que c'était un peu le grand questionnement. Vous avez trouvé des réponses à Thésée? J'ai trouvé des réponses qui m'ont mené un petit peu plus loin que Thésée après. Et puis, j'ai pas hésité à inviter des amis qui n'étaient pas du tout croyants, voilà, des gens qui étaient philosophes, etc., à venir à la colline et qui ont tous été touchés par ce sens qu'on trouve à Thésée. Ils y sont retournés après? Je ne sais pas. Pas toujours. Mais certains, oui, certains sont retournés. Aline, vous parliez de la musique tout à l'heure de Thésée. Il y a des tubes de Thésée? Des tubes? Vous allez les chanter? Vous allez les chanter? D'accord. Comment vous pouvez définir cette musique, en fait, de Thésée, ces chants? Qu'est-ce que c'est que ces chants? C'est d'abord, peut-être d'abord, des paroles avant des chants. Il y a The Kingdom of God. Dans mon lycée, on avait un groupe de prières. C'était le tube, The Kingdom of God, qui dit « Le royaume de Dieu, c'est la paix et la justice ». Viens Dieu et ouvre en nous les portes de ton royaume. Oui, c'est ça. C'est un texte de saint Paul aux Romains. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces chants, pour vous, Laure? Ils sont abordables, ils sont accessibles et il suffit de très peu de mots. Enfin, j'avais un dialogue avec un ami comme ça qui me disait « Mais je comprends pas, vous répétez 15 fois un chant, moi je le dis une fois, j'ai compris. Enfin, » Mais en même temps, c'est vrai que c'est dans la... On finit par se les approprier, par prier avec, il suffit de très peu de mots. Et puis quand on a un bulgare et un espagnol à côté, c'est pas la profusion de mots qui crée la communion, c'est vraiment la... La simplicité du chant qui est très touchante. Puis ils sont bien écrits en plus de ça, donc c'est très porteur. Et puis il y a d'autres dimensions qui sont propres à Thésée, ces grands rassemblements. On voit ces milliers de jeunes dans ces hangars. Alors la prière, elle est particulière aussi? Quand on est comme ça à 50 000 à prier dans un hall, oui, forcément, il y a toujours une grosse dimension. Le moment qui est toujours très frappant aussi à Thésée. La première fois que je suis arrivée à Thésée, je suis entrée dans l'église, c'était le soir, la prière, et c'était le moment de silence. Et de voir 5000 personnes en silence en même temps dans une église, c'est très très fort. Il y a vraiment, on est tous en communion. Vous avez appris le silence à Thésée ou...
Comment ça s'est passé? Quel rapport vous avez à ce silence? Oui, je crois qu'il est essentiel dans ma vie maintenant, le silence. Mais c'est vrai qu'on est dans une société qui bouge assez vite et qu'on a beaucoup de mal à prendre ce temps, à faire silence. Mais dans la recherche, dans la communion avec Dieu, on est dans le silence. Donc, Et frère Émile, comment vous faites silence avec tout ce monde, ces milliers de jeunes qui sont plutôt énergiques? Oui. C'est comme dit Aline, je crois, on est surpris d'abord. On est surpris et puis peut-être qu'il y a un peu une crainte au début. Un jeune qui arrive, même qui voit le programme, trois fois par jour la prière et trois fois par jour ce silence. Comment tenir, hein? Comment faire? Et puis la surprise, c'est que quelques jours après, un ou deux jours après, ils sont en avance pour la prière. Ils remplissent l'église une demi-heure à l'avance et ils disent à la fin de la semaine, le silence est maintenant trop court. Et ça, c'est quand même étonnant. Cette soif de silence. Ils découvrent une part d'eux-mêmes, cette part qui attend Dieu. Et pour laquelle il n'y a pas de place souvent dans la vie d'aujourd'hui. Il n'y a pas de place pour découvrir toute la profondeur, cette attente de Dieu qui est en nous tous. Mais là, dans le silence, ils le découvrent. Alors bien sûr, il y a également à thésée la dimension œcuménique. Aline, vous dites d'ailleurs que vous êtes d'abord chrétienne, même si vous êtes plutôt de tradition catholique. Oui, et c'est quelque chose que je portais déjà en fait, et que j'ai trouvé en réalisation dans thésée. Finalement, quand on se retrouve, quand on se présente, on voit plus ça comme une richesse. Je suis orthodoxe, je suis protestant, je suis catholique, on peut s'amuser à comparer les rites, etc., comment on vit. Mais on le dit quand même, hein, je suis catholique, je suis protestant. On le dit éventuellement, mais peut-être même pas forcément en fait. C'est vrai que ça nous change rien du tout pour ce qui est les discussions de spiritualité, vraiment. J'ai l'impression que c'est que de la forme, en fait. Il y a un signe distinctif aussi, c'est la fameuse croix de Thésée. On va la montrer là, en image. Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette croix de Thésée? C'est une croix colombe. Un frère avait eu cette idée au début des années 70. La croix, souvent... Aujourd'hui, elle est signe de souffrance, symbole de souffrance. Et puis, on sait que pour les premiers chrétiens, c'était un peu autre chose. Il y a bien sûr la souffrance, mais il y avait cette victoire de l'amour. C'était un signe d'espérance, la croix. Ça veut dire que l'amour a vaincu, a gagné. Et puis, peut-être cette forme de colombe, la croix colombe, elle suggère cela. Elle suggère aussi l'envol, la liberté. Nous avons gagné, nous allons vers la lumière. Pasteur, vous êtes un spécialiste de l'œcuménisme, j'ai envie de dire. En tout cas, vous connaissez très bien tout ce qui se passe autour de l'œcuménisme, notamment avec les jeunes. À Thésée, quel est votre regard sur cette dimension œcuménique? Je trouve que la particularité de Thésée, c'est de renverser les affaires, si je puis dire. C'est-à-dire, comme le disait Aline tout à l'heure, on n'arrive pas, comme dans le dialogue entre nos églises, hein, avec « voilà ma théologie, je balise mon terrain et maintenant discutons », c'est on se découvre les uns les autres. Et quand on s'est découvert les uns les autres, il y a des préjugés qui tombent. Et du coup, quand je suis déjà entré dans cette démarche de confiance avec l'autre, quand je discute et que je découvre qu'il n'est pas de la même église que moi, ça n'a plus tout à fait le même sens. Et on ne discute plus et on ne parle plus de la même manière que lorsqu'on a balisé, marqué son territoire avant. Et je trouve que ça, c'est l'expérience forte que donne Thésée aux jeunes dans une dimension... On parle peu finalement d'œcuménisme à Thésée. Oui. On parle plutôt de réconciliation. Hein, et d'abord de la réconciliation des personnes, avec elles-mêmes, avec Dieu, avec les autres. Et du coup, la dynamique œcuménique entre comme cela... Comment dire, dans une appropriation d'expérience, hein, existentielle très forte. Et le fait aussi, je crois, quelque chose qui me paraît important, on parlait tout à l'heure du doute ou des jeunes qui arrivent, etc. Nos théologies dans nos églises ou dans nos dialogues œcuméniques officiels font un peu force de loi, et plus que force de grâce ou force d'amour, si je puis dire. Hein. Mmh. Et là, la particularité du message de Thésée, c'est justement d'insister sur « tu es aimé comme tu es ». Et le fait que l'expérience de ce « tu es aimé comme tu es », avec tes doutes, avec tes espérances, avec tes dilemmes, etc., fait que quand je vais rencontrer l'autre qui est aussi aimé comme je suis, la relation œcuménique prend un autre sens. Elle est beaucoup plus vivante, elle est beaucoup plus forte. Hein. Et on est embarqué ensemble dans une dynamique de réconciliation. Laure, alors, c'est Thésée seulement ou vous allez à d'autres rassemblements de jeunes type JMJ? J'avais fait les JMJ à Paris, à Rome, effectivement. Et puis... Qu'est-ce que vous préférez? C'est quoi les différences et qu'est-ce que vous cherchez à Thésée que vous trouvez peut-être pas ailleurs? Une qualité de prière
peut-être. C'est vrai qu'au Thésée, c'est aussi, enfin, les JMJ, il y a jusqu'à 1 million, 2 millions de personnes. Mmh. Thésée, c'est pas la même échelle non plus. Ce qui permet aussi une rencontre. Les rencontres, elles vont durer peut-être, enfin, plus le temps d'aller voir chacun et. Plus occasion d'échange. Oui, et alors c'est très différent. Enfin, je me souviens que les JMJ, on les vit en diocèse. On arrive avec un groupe déjà constitué de 30-40 personnes qui se connaissent assez bien entre elles. Et alors le génie, je trouve, de une rencontre de Thésée, c'est qu'on arrive et qu'ils nous dispatchent par petits groupes de 5, 6, 7, 8 qui se connaissent pas forcément. Et puis ils vous filent le plan. Et puis après, c'est on vous voit à la prière. Voilà. Et du coup, il y a vraiment des contacts très forts. Et moi, j'ai des grandes amitiés qui se sont créées à ces moments-là, quoi, de vivre une semaine avec des gens qu'on ne connaît pas, en petits groupes. Et, ouais. Et du coup, c'est ça qui facilite vraiment la rencontre. Aline, vous êtes allée aussi à des JMJ ? J'ai fait juste le dernier week-end des JMJ de Cologne. J'étais encore jeune. C'était votre premier. Mais oui, en effet, ça m'avait fait un petit peu un contraste. Quand même. Je revenais de Thésée, d'ailleurs, je crois, à ce moment-là. C'était quand même un contraste entre l'intimité presque, même si on était 5000 sur la colline, et puis le côté un peu spectaculaire peut-être, plus des JMJ, que Thésée ne cherche pas du tout par contre. Frère Émile, vous les connaissez bien ces jeunes, à force par expérience. Vous êtes devenus un peu des spécialistes de la jeunesse, non ? Oh, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et les jeunes changent tellement aussi, ce ne sont plus les mêmes aussi. Les questions évoluent. Comment vous allez vers eux avec confiance ? Il y a une clé, il y a quelque chose aussi ? Peut-être, comme vous dites, confiance. Il y a ce regard de confiance. Je crois que Frère Roger nous a un peu fait découvrir aussi, parce que je crois qu'il vivait comme ça, avec un regard. Beaucoup ont parlé de ce regard qu'il posait sur les êtres. Parce que souvent aujourd'hui, on doute de soi-même. Il y a tellement de raisons de douter de soi aussi, est-ce que je vais arriver? On exige tellement de choses aujourd'hui, il faut être performant, il faut réussir des examens, il faut réussir au travail. Et puis, on oublie l'identité vraiment profonde, hein, d'être fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu. Et on est d'abord cela, hein, avant d'être performant. Et je crois que c'est ce que beaucoup de personnes découvrent, et peut-être c'est ce qui est demandé des frères, de porter ce regard-là, et finalement, qui veut être un reflet un peu du regard de Dieu. Est-ce qu'on vous dit des choses qu'on ne dirait pas à ses amis? Par exemple. Je crois, le soir, moi, je reste depuis presque 30 ans, le soir, dans l'église à Thésée pour écouter des jeunes, et il y en a qui vraiment viennent pour se confier, viennent s'ouvrir, et ils sont surpris d'ailleurs que c'est possible. Oui. Que c'est possible, on peut parler de ce qui fait problème, on n'a pas besoin de jouer un rôle, de porter un masque, on peut venir tel qu'on est. Et les frères passent beaucoup de temps à écouter les jeunes. Alors, vous parliez de frère Roger qui est disparu il y a 2 ans. Est-ce que ça a eu une influence sur la popularité de Thésée ? Est-ce que les jeunes ont été moins nombreux à venir ou non ? En fait, ils ont été plus nombreux depuis 2 ans, un accroissement assez considérable des Français et des Allemands surtout. Et je ne sais pas à quoi ça tient. Je pense qu'il y a aussi parfois on est plus ouvert lorsqu'un homme est mort, plus ouvert à ce que sa vie a été, parce qu'on a toujours un peu peur de la nouveauté. On n'aime pas ce qui dérange, parfois une certaine vision de ce qu'est la foi. Et puis, Frère Roger avait quand même beaucoup de créativité. Et puis ça déconcertait un petit peu parfois. Est-ce que c'était lui qui détenait le charisme de Thésée ? Je pense que c'est quand même le fondateur de Thésée. Puis bien sûr, il y a eu les frères qui sont venus. Nous sommes une centaine, donc c'est les frères. Mais Frère Roger avait quand même eu cette vision de ce que pouvait être une vie commune, pas tellement fondée sur des règles et des lois, même s'il y a un petit livre qui s'appelait La règle de Thésée, qui s'appelle aujourd'hui Les sources de Thésée, mais il voyait beaucoup plus une vie commune reposant sur l'amour, la bonté, la confiance entre les êtres. Laure, vous connaissiez Frère Roger ? Oui. C'est aussi une de mes grandes expériences de ma première visite à Thésée, comme il parlait du regard de Frère Roger. Je me souviens un soir dans l'église que j'étais assise comme ça en prière et qu'il était passé à côté et qu'il avait posé son regard sur moi, et c'est quelque chose qui m'avait accompagnée après pendant plusieurs mois. Parce que je me suis dit à ce moment-là, si le Christ me regardait, il aurait ces yeux-là. Vraiment un regard d'amour et vous n'aviez pas Thésée pour le voir particulièrement ? Non, pas spécialement, non. Mais c'est vrai que comme beaucoup de jeunes qui passent à Thésée, on est touchés par le message et puis qu'on avait beaucoup d'affection pour Frère Roger. Et vous, Aline, vous l'aviez vu, rencontré ? Juste comme ça, la première fois que j'y avais été, je crois, de loin vu. Mais j'ai pas ressenti un grand changement finalement. Entre avant, après, Frère Roger, je pense pas que ce soit essentiel. Il était là dans la communauté,
Avec les jeunes, hein. Enfin, oui, frère, j'ai venu à la prière deux, trois fois par jour, et puis le soir, il restait pour écouter. Il disait que dans sa jeunesse, il avait manqué, il n'avait pas eu d'écoute, personne pour l'écouter. Il a dit, si je vis encore, parce qu'il a pris cette résolution au moment d'une maladie, il avait la tuberculose à l'âge de, je ne sais pas, 18, 20 ans, si je vis, je passerai ma vie à écouter les autres. Il voulait comprendre. C'est pour ça qu'il y a eu tant de jeunes qui sont venus. Et écoutez, c'est un mot important. Ce n'était pas des conseils d'abord. Ce n'était pas voilà ce qu'il faut faire, mais c'était essayer de comprendre. Parce que parfois, c'est plus complexe qu'on ne croit, ce qui se passe dans le cœur d'un jeune. C'est parfois plus complexe. Alors, écoutez. Alors, on se souvient justement de l'émotion soulevée le 16 août 2005 par la disparition de Frère Roger. Frère Roger qui avait fondé la communauté de Thésée pendant la Seconde Guerre mondiale, une communauté œcuménique internationale. On regarde. Frère Roger, marchant entouré de jeunes de toutes les origines. Une image comme un symbole, celle d'un homme qui aura œuvré toute sa vie pour la réconciliation et l'amour dans la prière. D'origine protestante, Frère Roger connaît une pleine communion avec la foi de l'Église catholique. Sans conversion, il réconcilie la foi de ses origines avec le mystère de la foi catholique. En 1940, à l'âge de 25 ans, Frère Roger quitte sa Suisse natale pour un petit village de la Bourgogne, Thésée. C'est ce village qui donnera son nom à la communauté œcuménique des frères de Thésée. Cette petite communauté monastique vit de son travail dans la simplicité. Une des pures joies de l'Évangile est d'avancer encore et toujours vers une simplicité du cœur qui entraîne une simplicité de vie. Tout au long de sa vie, Frère Roger n'aura de cesse d'appliquer cette devise. Jean-Paul II, les archevêques de Canterbury, des métropolites orthodoxes ou encore des pasteurs du monde entier, tous, se sont rendus un jour à Thésée pour rencontrer et prier avec un homme qui n'aura jamais cessé de rassembler les chrétiens. Assassiné le 16 août 2005 à l'âge de 90 ans par une déséquilibrée roumaine, il laisse ses frères dans une profonde tristesse. Mais la communauté reste plus vivante que jamais. Pour preuve, ses funérailles célébrées devant plus de 12 000 fidèles résonnent comme une continuité dans la réconciliation, l'amour et la prière entre chrétiens. Les milliers de pèlerins venant se ressourcer et prier chaque année à Thésée poursuivent sur le terrain et dans la prière l'œuvre de Frère Roger. Frère Émile, pour Thésée, le temps de la fondation est terminé. Un nouveau temps s'ouvre, celui de la continuité. C'est ce que disait Frère Aloïs. Ça veut dire qu'on a franchi une étape, on en est où ? Je crois que c'est une étape quand le fondateur n'est plus là. Et puis en même temps, il y a un héritage tellement riche. Frère, j'avais tellement d'intuitions de toutes sortes et c'était impossible de mettre en pratique tout ce qu'il avait des idées. Tout le temps, même dans le grand âge, il avait encore des idées. On pourrait faire autrement, on pourrait faire simplement. La dernière parole, le jour de sa mort, il a dit « élargir ». Il avait une phrase qu'il n'arrivait pas à finir, mais il voulait que les frères réfléchissent. Qu'est-ce qu'il voulait dire élargir ? Est-ce qu'il faut élargir une espérance, aller dans d'autres pays ? On ne sait pas, on s'interroge encore aujourd'hui, mais c'est plein de choses à continuer. Alors, pasteur, frère Roger, on l'a vu hein, rencontrer tous les grands responsables religieux de ce monde. Il a œuvré pour le dialogue œcuménique. Où est-ce qu'il en est, ce dialogue, aujourd'hui ? Il poursuit sa route, si je puis dire. Par le biais de Thésée, hein, j'entends. Est-ce que c'est un dialogue qui s'est fait au niveau institutionnel ? Comment ce dialogue se définit, selon vous ? Il me semble que le dialogue œcuménique, il a plusieurs facettes. Il a une facette, on dirait théologique, il a une facette d'engagement, voilà, on s'engage au service de l'humain, il a une facette missionnaire, il a une facette, et il a une facette qu'on appelle couramment l'œcuménisme spirituel, hein, celui de la prière, celui où ça descend dans les entrailles. Et comme je le disais tout à l'heure, il me semble que Thésée,
nourrit cet écuménisme spirituel de génération en génération. Et il a trouvé dans cette épuration de la prière, cette authenticité, cette simplicité que j'évoquais, ce recentrage sur l'intériorité et la rencontre du Christ là, au cœur de soi-même, il creuse en quelque sorte ce sillon de l'écuménisme spirituel. Et ça a dû aussi poser des difficultés de réunir des chrétiens de toutes confessions dans un même lieu. Concrètement, qu'est-ce qui a pu se poser comme question et comment est-ce que la communauté a avancé sur ce terrain-là ? Et forcément, ça pose des difficultés puisque c'est nouveau. Hein. Et donc, c'est une sorte de recherche. Il y a un mot-clé, il me semble, à Thésée, c'est « on cherche hein. ». Voilà. Alors, on cherche et quand on cherche, on essaye des choses qui satisfont les uns et qui énervent les autres. Et donc, effectivement, on est tout le temps dans cette dynamique-là, il me semble, à Thésée, qui est provisoire, pour prendre encore un mot de Thésée aussi. Et je crois que ça, c'est la qualité de Thésée. Et le fait que, justement, Thésée soit une sorte de tête chercheuse, en quelque sorte, de l'écuménisme, ça fait que forcément, ça laisse une sorte de malaise vis-à-vis de nos églises, parce que c'est plus tout à fait protestant, c'est pas tout à fait catholique, ni orthodoxe, ni anglican, c'est un lieu au milieu du gué où tout le monde se retrouve, c'est peut-être un peu prophétique, mais ça on le saura dans 100 ans. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se vit là, et quelque chose de fort autour de ce mot-clé de la réconciliation. Alors, comment ça se passe par exemple au moment de la communion ou de l'Eucharistie? Les protestants vont d'un côté, les catholiques de l'autre. Comment ça se vit? Je crois que c'est à chacun de faire selon sa conscience. Côté pratique, il y a l'Eucharistie qui est célébrée et donc tous ceux qui veulent peuvent venir communier. Et puis il y a du pain béni pour ceux qui souhaitent prendre plutôt du pain béni que l'Eucharistie. Et puis, mais c'est pas vraiment un problème. Enfin, ça se passe plutôt bien, c'est pas séparé. Je crois qu'il y a vraiment une volonté justement de qu'on vive ce moment ensemble. Frère Émile, il y a eu sûrement des ajustements, hein, tout simplement pour la communion ou d'autres aspects de la liturgie. Comment les choses se sont-elles progressivement mises en place? Oui, pour l'Eucharistie, il n'y a pas de solution magique parce que les églises sont divisées, donc on fait en sorte que chacun puisse recevoir dans sa tradition. Mais le plus grand ajustement, ça a été de trouver comment prier avec des jeunes du monde entier. Là, c'est là qu'il y a eu toute une recherche et où Frère Roger a un grand courage de simplifier parce qu'il y a un vocabulaire que des jeunes ne comprennent pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout rabaisser, mais il y avait aussi un effort à faire du côté de la simplicité pour la liturgie et donc les chants ont énormément aidé pour cela. Les chants de Thésée ont permis à beaucoup de jeunes de découvrir que la prière, c'est pas seulement pour d'autres, ça peut être pour moi aussi. Comment ils sont pensés ces chants? Vous reprenez des refrains un peu populaires ou de la musique entraînante? Frères proposent un texte. Des frères proposent un texte. Moi, j'ai proposé le texte de Kingdom of God il y a quelques années. Et un frère compositeur a pris ce texte et il en a fait une magnifique mélodie. Puis il y a deux autres frères. Un avait hésité entre être musicien professionnel dans les années 50, un des premiers frères. Et il avait hésité entre ça et la vocation. Puis il a choisi la vocation. Mais heureusement, il garde cette don de compositeur. Et puis il y a encore un troisième frère qui et donc, entre eux, ils arrivent à améliorer. Parce que souvent, il y a une inspiration. Mais en cherchant ensemble, parfois, on arrive à améliorer la qualité de chant. Le souci de Frère Roger, c'était que le chant soit honnête avec notre condition humaine. C'est pas facile de vivre dans la foi. On ne voit pas. On est souvent dans la nuit. Et il voulait que les chants aient cette authenticité-là. Pasteur, ces chants, c'est une pierre angulaire de l'œcuménisme aujourd'hui à Thésée? Oui, je crois, parce qu'il n'y a pas tant que ça hein, de chants œcuméniques. Alors, effectivement, dans les réflexes identitaires de nos églises, c'est souvent du côté protestant, ah, ça c'est un chant catholique, ou ça c'est un chant... Et là, Thésée, on ne peut pas le caser. Et justement, c'est ça la particularité. Mais en même temps, je crois, la force effectivement du chant de Thésée, enfin, c'est ce qu'on redit depuis longtemps, hein, c'est que il aide à cette intériorisation et il puise en même temps dans ce qui est commun à l'ensemble des chrétiens, dans ces petites phrases qui sont des phrases des pères de l'Église ou des phrases des Écritures. Et donc, il puise là dans le patrimoine commun et il le fait descendre jusqu'au cœur, hein, jusqu'aux entrailles en quelque sorte, et dans cette répétition. Et c'est à portée de tout le monde, ça. Et cette expérience-là est unique. Aline, ces chants justement que vous entendez peut-être en dehors de Thésée, alors c'est un peu des signes de reconnaissance entre jeunes qui sont allés à Thésée, on se reconnaît avec cette musique, la croix éventuellement? Je ne sais pas si on
se reconnaît vraiment. Oui, on aime bien partager des expériences. Ça tombe toujours. Il y a une croix qui traîne autour d'un cou. Il y a un chant qui sort comme ça. Ah, toi aussi, t'étais à Thésée. Oui, j'étais là-bas. Mais ou peut-être dans une attitude aussi. Enfin, ce que je veux dire par rapport au chant, ce qui est très très beau, c'est qu'ils touchent vraiment à l'humain et du coup, ils arrivent dans n'importe quelle situation de la vie. Il y a un chant qui peut surgir comme ça dans mon quotidien. Des notes chez Iremos, j'avance dans la nuit des fois, quand je marche dans la rue la nuit, pour rassurer, je le chante. C'est des notes chez Iremos, des notes que par encontrar la fuente, solo la cena s'alumbra, solo la cena s'alumbra. C'est très beau. Saint Jean de la Croix, le début, c'est Saint Jean de la Croix qui a composé ça. Nous avançons dans la nuit, puis seule la soif nous éclaire. Un poète espagnol qui a la deuxième partie. Et frère Émile, on a beaucoup parlé de la prétendue conversion de frère Roger. Il avait notamment communié aux obsèques de Jean-Paul II. Qu'en était-il ? Oui, frère Roger communiait depuis très longtemps à l'Eucharistie catholique, mais il n'y a pas eu de ce qu'on appelle conversion. Il y a eu une réconciliation. Il disait « J'ai réconcilié en moi mes origines protestante avec la foi de l'Église catholique. Et c'est un chemin sans précédent, je crois que vous l'avez dit dans votre reportage, sans précédent depuis la Réforme, d'arriver à vivre cela. Il croyait que c'était possible d'être fidèle aux deux. Et c'est ce qu'il essayait de vivre tous les jours. Et c'est un chemin que d'autres frères vivent aujourd'hui, ce chemin de la réconciliation entre cette tradition protestante ou vice-versa. Que c'est possible de vivre en réconcilié, je crois que la communauté essaye de vivre ça, les frères essayent de le vivre. Parce que, vous savez, pendant plusieurs siècles, les guerres entre confessions ont fait qu'on a une identité souvent un peu artificielle. Au lieu de valoriser ce qui est beau dans chaque tradition, on a voulu être opposé à l'autre, trouver son identité dans ce qu'on refusait. Et ça, on n'est pas condamné à ça. La communauté de Thésée a également beaucoup œuvré pour aider les pays de l'Est, en tout cas les églises des pays de l'Est. Aujourd'hui, 20 ans après la chute du mur, est-ce que les rapports ont évolué, ont changé ? Comment ça se passe ? Eh bien, ces jours à Genève, il y a tellement de jeunes des pays de l'Est. Ils sont 15, 20 000 des pays de l'Est. Ils ont fait le grand voyage pour venir de la Russie, des orthodoxes, de l'Ukraine, de la Roumanie, des protestants de Suède, des pays nordiques, et puis beaucoup de catholiques de tous les pays de l'Europe, de les pays latins surtout. Et les pays de l'Est sont comptés parce que, frère Roger, c'est vrai pour les confessions chrétiennes, mais c'est vrai aussi pour l'Europe, il vivait sans mur dans sa tête. Et les murs n'existaient pas. Donc il fallait aller à l'Est. Dès 62, les frères ont commencé à voyager dans les pays de l'Est sans jamais s'arrêter. Tout au long des années 60, 70, jusqu'à la chute du mur, et encore aujourd'hui. Mais même quand c'était difficile, il fallait aller soutenir une espérance. Il avait d'ailleurs fait envoyer, je crois, 1 million d'évangiles dans certaines villes de l'Est, voilà, Russie, et qui ont pu passer. Oui, qui ont par pu camion. Passer par camion, en février 89. Donc plusieurs mois avant la chute du mur, c'était possible de faire parvenir ce qui était impensable. Théoriquement, c'était infaisable, mais ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc c'était fait, c'était distribué par l'Église orthodoxe de Russie, et ça a énormément touché l'Église orthodoxe. Pasteur, est-ce que Thésée contribue à la construction de l'Europe ? Alors, on a des messages, par exemple, adressés par José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, le secrétaire général des Nations unies, d'encouragement, de soutien pour cette rencontre qui se tient là en ce moment à Genève. Est-ce que Thésée contribue presque politiquement à la construction européenne, selon vous ? Je ne sais pas si on peut le dire politiquement ou de manière très indirecte. Il est évident et depuis longtemps que les fils tissés par Thésée entre l'Est et l'Ouest de l'Europe sont précieux aujourd'hui. Il est évident que le thème de la réconciliation et ce regard sur l'universel, d'ailleurs à mon avis c'est pas uniquement l'Europe, hein. Ça, on pourrait aussi, avec surtout le développement aujourd'hui en Amérique latine, en Inde, en Afrique, etc. Cette dimension de l'universel qui est transmise là de manière très concrète, hein, et très sensible. Alors oui, on peut dire que d'une certaine manière ça construit l'Europe, et en tout cas on l'a vu, frère Aloïs et quelques autres frères qui étaient là au rassemblement œcuménique de Sibiu au mois de novembre, où toutes nos églises se retrouvaient au cœur de l'Europe, en Roumanie. Voilà, il avait pleinement sa place là, et je crois qu'effectivement
tout ce qui est de toute façon une force spirituelle, et Dieu sait si Thésée en est une au sein de l'Europe, de réconciliation et de compréhension réciproque, tout le travail qui est fait avec l'orthodoxie aujourd'hui est par exemple essentiel compte tenu des dialogues très officiels, institutionnels ou théologiques qu'il peut y avoir entre l'orthodoxie et puis nos églises occidentales. Tout ce travail qui est fait là auprès des jeunes est un investissement sur l'avenir évident. Hein. Donc de ce point de vue-là, oui, évidemment, Thésée, c'est une évidence, Thésée participe à la construction de l'Europe, oui, je crois. Frère Émile, au sein de la communauté, il y a une centaine de frères aujourd'hui, oui. 25 nationalités à peu près représentées, plusieurs religions également. Sur le papier, ça fait un peu auberge espagnole, comme ça. Comment ça se passe au quotidien? Oui, il y a plusieurs confessions chrétiennes, tous la même religion, mais il y a plusieurs confessions. Oui, je crois que nous sommes même 27 pays maintenant, et puis un frère qui vient de la Bolivie, oui, sa famille habite à 4000 mètres dans un village, et puis il y a des frères d'Afrique, qu'il y a des frères de beaucoup de pays, de cultures différentes. Et c'est bien qu'il y ait ce signe, au fond, que c'est possible d'être très différent et de vivre ensemble et d'aimer être ensemble. Je crois que c'est important de pouvoir vivre ce signe concret aujourd'hui. Et il n'y a pas des petites tensions de temps en temps? Il peut y avoir des tensions. Il faut justement être... C'est parfois une chance aussi de vivre avec ceux d'une autre culture. Parce que quand on est de la même culture, on oublie parfois qu'on est tous un peu un mystère, hein, les uns pour les autres. On pense que ça devrait être transparent. Et quand c'est quelqu'un d'une autre culture, on sait que ce n'est pas évident, que les malentendus sont possibles. Donc il faut être plus attentif. C'est quoi la langue de la communauté officielle? Les frères apprennent le français. Tous n'arrivent pas en parlant bien le français. Vous parlez 25 langues, aujourd'hui? Non. Mais les frères apprennent. Il faut apprendre beaucoup de langues aussi, parce qu'il faut accueillir. Il y a une langue à Thésée, peut-être? Alors, entre les frères, c'est plutôt le français. Sur la colline, alors, c'est parfois le français, mais beaucoup l'anglais aussi. On dit l'anglais de Thésée, par exemple. Ça ressemble à quoi, alors? C'est une espèce d'anglais avec des mots allemands, des mots français, des prononciations espagnoles, mais bon, on se comprend, puis avec des gestes qui vont avec. Tout. D'accord. Et alors, frère Émile, vous avez des signes d'appartenance à vos confessions, chacun des frères ou pas? Est-ce que oui, vous êtes frères, identifié? Les frères restent fidèles à leur appartenance ecclésiale, mais on n'est pas fidèles à une identité ecclésiale sans vivre une ouverture. Ça n'existe pas une identité qui serait une clôture sur soi. Qu'est-ce que ce serait comme identité, non seulement chrétienne, mais humaine? Il n'y a pas d'identité humaine sans ouverture. Il n'y a pas d'identité chrétienne sans ouverture. Et la réconciliation, c'est ça, je pense. L'écuménisme, ce n'est pas des compromis entre diplomates. C'est s'ouvrir à tout ce qui est du Christ. Tout ce qui est du Christ. Peut-être qu'on a rejeté, qu'on a délaissé, parce que le climat, à une certaine époque, ne se prêtait pas à recevoir le don de l'autre, recevoir l'intuition juste de l'autre. La polémique a fait que les séparations se sont aggravées. Et puis, dans un climat plus serein, on peut recevoir le don qui est spécifique à l'autre. Vous savez, par exemple, de quelle confession sont chacun des frères qui sont présents dans la communauté, qui vivent à vos côtés? Moi, je le sais. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais moi, je le sais. Et puis, on apprécie aussi les dons qui sont là dans les frères, dans leur culture, dans leur église d'origine. Et on essaie de les valoriser. Vous parlez de dons spirituels, mais de quoi vous vivez, en fait, tout simplement? Parce que l'idée, c'est de vivre dans la plus grande simplicité. Et concrètement, comment vous travaillez ou... Le choix a été fait de vivre du travail, de ne pas vivre de dons. Parce que le père de frère Roger n'était en fait pas très heureux que son fils choisisse cette vie. Il lui a dit, tu vas perdre ta liberté, tu vas dépendre de dons. Puis il a dit, jamais, on gagnera la vie, on gardera notre liberté. Et donc il y a des ateliers à Thésée, il y a une imprimerie, il y a une très grande poterie, il y a ce travail avec les émaux, vous avez vu, avec la croix de Thésée, il y a la musique, et beaucoup de frères composent, il faut mettre en page, publier, il y a une maison d'édition. Et tout ça nous permet de vivre, simplement, mais nous permet de vivre, et puis aussi de prendre des initiatives, parfois de soutenir un peu les autres aussi. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais le lien avec ces jeunes qui est permanent, finalement, est-ce que vous arrivez quand même à avoir vraiment votre vie aussi communautaire dans ce qu'elle a de plus calme et retiré? Ça demande une vigilance. C'est parce qu'on pourrait très vite se laisser disperser par la foule et se laisser accaparer aussi par les tâches. Et donc ça demande un certain sens des priorités. Par exemple, à midi, on s'arrête. On est tous ensemble pour le repas, pour échanger des nouvelles. Et puis la prière, tout s'arrête. 3 fois par jour, nous sommes ensemble. Même s'il y a 3000 jeunes qui viennent d'arriver et qui attendent d'être accueillis, les cloches sonnent, nous partons à la prière.
il faut une vigilance et puis en même temps c'est un peu acrobatique parfois de faire une vie avec du silence, de la prière et puis un accueil très large et ça suppose un combat aussi, un combat. Peut-être c'est une sorte d'ascèse d'aujourd'hui, peut-être les moines autrefois mangeaient moins ou faisaient toutes sortes d'ascèses compliquées. Aujourd'hui c'est peut-être l'ascèse du temps aussi, avoir moins de temps, le donner. Aline, quand vous êtes à Thésée, vous allez voir les frères pour leur demander quelque chose, pour parler avec eux, comment ça se passe cette relation aux frères ? Dans l'église, ouais, donc comme disait frère Émile, ils sont très disponibles pour qu'on puisse aller leur parler. Il y a le frère qui fait l'introduction biblique, qui on a plus ou moins de contact. Mais ce que je trouve beau aussi, c'est que à la fois les frères sont très accessibles et à la fois ils nous laissent très très libres. C'est ça qui est très beau. On n'a pas l'impression d'être encadré avec un frère à chaque carrefour, etc. Il y a vraiment ce bon, on vous accueille. Maintenant, vous allez vivre quelque chose aussi, vous. Allez à rencontre. Donc c'est aussi l'apprentissage de la liberté pour les jeunes. Je me souviens que la première fois que j'étais arrivée, que j'avais 16 ans, il y avait un peu un mouvement de panique en me disant « alors vous allez à l'accueil, etc. Enfin, » c'est vrai qu'on a l'habitude, surtout quand on a fait l'aumônerie et tout, d'être un peu balisé. Et puis que là, on arrive et on est très libre, mais en même temps, c'est la confiance. Mm-hmm. Et ça donne plein d'énergie pour faire... s'affirmer après. Il n'y a pas quelques petits débordements de temps en temps entre les jeunes qui font la fête important. Un peu trop tard Ceux qui ont 16 ans, c'est important qu'ils soient accompagnés aussi par des adultes. Voilà, tout ça, on a admiré. C'est pour ça. On parle par expérience. Voilà, tout ça, on a admiré tous ces adultes qui accompagnaient, ouais. Qui venaient avec les aumôneries. C'est nécessaire. Surtout quand on est plus âgé, 18, 19, c'est déjà plus facile. Mais non, les jeunes, bien sûr, aiment la vie. Ils aiment faire du bruit. Donc vers 11h30, minuit, on leur demande le silence. Il y a une équipe qui demande ça tous les soirs. Et puis, c'est important pour qu'ils puissent se lever le matin. Alors, il y a aussi, frère, des personnes qui sont engagées dans la communauté pour une durée déterminée. C'est ce que vous avez vécu, Laure. Vous êtes partie pendant quasiment un an. Vous avez été permanente. Alors, c'est quoi exactement ? Et pourquoi est-ce que vous avez souhaité vivre cette expérience-là ? Ça s'est fait tout simplement parce que c'est aussi par émulation. Hein. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là pour plus longtemps, parler avec, et qu'est-ce que ça vous apporte, etc. Puis après, on le vit tous d'une manière différente, mais pour moi, ça a vraiment été une volonté de, quand j'ai fini mes études, de prendre du temps pour être disponible, pour trouver un petit peu où est-ce que je voulais aller à partir de mon diplôme et comment je voulais me construire comme adulte. C'était une pause. C'était une pause, voilà, qui a ouvert... Après, quand on dit oui à Dieu et qu'on se rend disponible, on ne sait jamais trop où on va atterrir. Mais c'est qu'est-ce que vous faisiez là-bas, en fait, pendant cette année ? Alors, quand on est permanent, donc on vit... en communauté, donc les jeunes filles d'un côté, et les jeunes hommes sont plus près des frères. Et donc on participe avec tous les autres jeunes aux prières. On a un peu le même rythme, si vous voulez, sauf que pendant que eux font des échanges bibliques et des choses comme ça, on a des petits travaux à faire pour contribuer à l'accueil des jeunes. Donc travail d'accueil, ça peut être du ménage, ça peut être tenir la boutique, enfin des choses très simples et très concrètes. Et on apprend le service. Et puis c'est un temps où en fait on peut vraiment être disponible parce que on a un emploi du temps qui est assez régulier, qui est assez fixe et ça permet d'être intellectuellement à 100% disponible pour la prière, pour la rencontre, etc. Mm-hmm. Donc c'est une expérience très riche. Aline, cette expérience de Thésée, on peut la vivre ailleurs qu'à Thésée ? Est-ce qu'on peut vivre Thésée ailleurs qu'à Thésée ? Les rencontres européennes le montrent, par exemple, puisque c'est Thésée, mais ailleurs qu'à Thésée. On a aussi les petites prières sur Paris, par exemple. Sur Amiens, ma ville d'origine. C'est-à-dire à Paris, qu'est-ce qui se passe ? À Paris, il y a Paris en prière, mais il y a aussi d'autres prières de Thésée qui sont organisées dans des paroisses, qui sont à l'occasion de vivre une prière sur le modèle de la prière de Thésée, avec les chants. Ouais. Et puis on se retrouve là, il y a des gens qui ont déjà été à Thésée, qui ont entendu parler, d'autres qui voudraient aller à Thésée, qui vont d'abord découvrir la prière, d'autres qui ne connaissent pas du tout. C'est Thésée sans les frères, qu'est-ce qui anime ces équipes de prière ? Des jeunes, toujours... motivé. Après on a le schéma, donc il y a toujours des très bons chanteurs, des très bons musiciens, donc ça fait toujours des très belles prières. Mm-hmm. Esther Gilles Daudet, elle est belle cette jeunesse quand même, non ? Elle est magnifique, bien sûr. Bien sûr. Non, je crois que c'est le lieu important d'une initiation à une communion avec Dieu, à une communion universelle, à une communion fraternelle. Et ça, c'est de toute façon irremplaçable. Et puis on prépare l'avenir là, et même le présent, mais aussi l'avenir pour les nouvelles générations. Un des enjeux quand même aujourd'hui, il me semble, pour les nouvelles générations, c'est la tentation de l'enfermement et du repliement, ou d'une sorte de communautarisme, y compris ecclésiastique. Et il me semble que là, justement, Thésée nous apprend, au contraire, alors un mot-clé que Jean-Paul II a remis à la mode, mais qui vient des Écritures, l'échange des dons.
hein, l'échange de dons. C'est la définition de la communion, en fond, hein, au sens large. Et là, on y apprend l'échange de dons. On n'est pas à se rallier les uns aux autres, à quitter sa propre identité, mais à l'enrichir les uns avec les autres et avec Dieu. Et ça, c'est une école qui est en même temps une école citoyenne, je crois, parce qu'elle déborde largement ce que nous pouvons vivre dans le cadre de la foi, ce qui se vit dans le cadre de la foi, dans les rassemblements de Thésée, les prières de Thésée, etc. Et elle peut se mettre, et elle est une sorte de signe pour notre société aussi, qui est tellement, par ailleurs, fracturée. Voilà, on va arriver au terme de cette émission. Merci à tous les quatre d'être venus. Alors, ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur Thésée et puis éventuellement vous inscrire à des sessions à Thésée, un site internet qui figure sur vos écrans, www.thésée.fr. Et puis avant de nous quitter, quelques conseils de lecture également pour en savoir plus sur cette communauté de Thésée. Et puis un peu également sur la parole de Frère Roger. Deux livres écrits justement par Frère Roger. D'abord celui-ci, un grand succès, « Pressens-tu un bonheur ?» C'est aux éditions de Thésée. Et second livre, « Choisir d'aimer », qui est un recueil de textes et d'hommages à Frère Roger. C'est également édité aux presses de Thésée. Et puis comme chaque semaine, bien sûr, on attend vos réactions sur cette émission, sur notre site internet, réaction@kto.tv.com ou par courrier au 12 rue d'Oradour-sur-Glane dans le 15e arrondissement de Paris. Voilà, on vous retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de KTO Magazine. Au revoir, bonne semaine.